Bon, c'est sûr que voilà, on est en dents de scie depuis le début de la saison, on allait faire des bonnes performances à l'extérieur et pas enchaîner à domicile, donc c'est dommage. Voilà, on n'y va pas en pleine confiance, mais quoi, on va essayer d'y aller pour ramener déjà un point et puis voir par la suite. Mais c'est sûr que ça va être un match important pour eux comme pour nous, donc on va essayer de bien le préparer pour relever la tête après la décision de Rouen il y a 10 jours. Ouais, on essaie de trouver des solutions toute la semaine, hein, mais c'est vrai qu'on est une équipe qui est un peu jeune. Peut-être que par moment on fait preuve de suffisance ou on se contente de se dire qu'on a gagné à Bayonne ou contre Mont-de-Marsan et que du coup on reçoit une équipe qui est censée être un peu moins forte, donc ça sera plus facile en plus à domicile. Alors que c'est totalement faux, on va depuis le début de la saison qu'à domicile on a rendu mal. Donc si on essaie de trouver des solutions, on se parle, on se dit les choses, mais pour le moment il n'y a pas eu encore la bonne formule, donc on va essayer de la trouver dès la semaine prochaine et sur la semaine qui arrive. Ouais, bah c'est sûr qu'on le connaît, enfin, c'est un petit moment que je les joue. Après, là, ils ont changé le staff, tout ça. On voit que c'est plus axé sur le combat, sur l'agressivité. Et je crois que c'est de là qu'ils commencent leur match, c'est par mettre une grosse intensité sur les phases de rug, de combat. Donc à nous de nous préparer à ça, à relever ce défi-là pour espérer faire déjà un bon match à Agen et voir la suite le score. Voilà, mais c'est vrai que j'ai pas fait un bon début de saison, que les mecs qui ont joué à la place, ils ont été bons, donc à partir de là, la performance individuelle prime forcément. Hein. Quand le joueur est bon, il joue, donc je suis triste pour toi, mais qui a fait des commotions, du coup j'ai pu enchaîner quelques matchs et ça se passe plutôt bien depuis le début de la nouvelle saison, la nouvelle année. Donc on va espérer que ça continue ainsi et faire un bon match à Agen parce qu'on a besoin de points et c'est un match important.